Ma grande idée pour l'Afrique, c'est le développement de l'Afrique. Je vais parler précisément de l'agriculture. Nous sommes tous conscients que c'est l'Afrique qui va nourrir le monde de demain. Parce que nous avons des terres, nous avons des bras valides qui sont les jeunes. Il faut que l'agriculture soit modernisée. Il faut que ce soit mécanisé pour permettre aux jeunes d'aimer la chose et aller à l'agriculture. Moi, par exemple, j'ai créé ma start-up où je fais des travaux de l'agriculture. Aujourd'hui, j'ai sensibilisé les jeunes. J'ai formé les jeunes. J'ai mis sur place la semence qui permet aux jeunes d'aller de 2 à 3 tonnes. Ils vont aujourd'hui à 7, 8 tonnes à l'hectare. Donc, ça permet aux jeunes aujourd'hui d'avoir des revenus. Donc, les jeunes aujourd'hui, il suffit que nos politiques les aident et qu'ils s'accaparent de l'agriculture. Ils fassent de l'agriculture l'avenir des jeunes. Et si nos dirigeants le font, il n'y a pas de raison que demain, l'Afrique n'arrive pas à se nourrir et exporter la nourriture. Donc je demande aujourd'hui à tous les jeunes qui veulent aller à l'agriculture de ne pas se décourager. Ce n'est pas un métier pour ceux qui n'ont pas réussi à l'école. C'est un métier comme tout autre. Donc les jeunes peuvent aujourd'hui être vraiment à l'aise dans l'agriculture. Mais je demande aussi qu'ils soient soutenus. Ce n'est pas avec la DABA que les jeunes iront à l'agriculture. Mais c'est en les sensibilisant, c'est en les formant que les jeunes pourront aller à l'agriculture. Et c'est ce qui fera l'Afrique de demain. Parce qu'il y a beaucoup à faire encore concernant la nourriture. Il y a beaucoup à faire. Nous avons des terres, nous avons des bras valides. Il faudrait vraiment que nous mettons l'accent dessus. Et demain, l'Afrique pourra s'en sortir. L'Afrique ne va plus regarder l'autre côté. S'ils veulent aller l'autre côté, c'est parce qu'ils pensent qu'il y a mieux. Mais il y a mieux en Afrique. Et c'est ce qui nous fera demain. Donc, voilà mon mot à dire concernant l'Afrique.